J'adore ça, je sais pas pourquoi. Parce qu'il y a aussi des trucs dégueux où parfois c'est des gros trucs. Non mais les gros ça, là. Ça c'est horrible ça. Ça c'est ça, horrible. Pas. Moi par exemple je suis pas du tout bouton blanc. Bouton blanc ça me plaît pas. C'est des non ça c'est trop dégueu. Mais des, une peau genre une peau quasi nickel avec 3-4 points noirs. Et genre qui s'enlève avec, okay. Avec, avec un petit cuillère. Mais ça, moi, je veux bien regarder. Ça, c'est propre. Ça, c'est propre. Mais ça, c'est propre. Mais du coup, c'est propre. Oui, là, ça va. C'est pas la fin du monde. C'est un peu dégueu quand même. Regardez-les. Hein, là. Ils se rendent pas compte que ça tourne depuis un quart d'heure. C'est un bonheur. Soyez prêts. Attention, disclaimer. Dans 5 secondes, vous met une image de ce qui se montre depuis tout à l'heure. Vous connaissez notre mot d'intro, bien sûr. 3, 4. Oh, bonsoir. Yeah. Bonsoir. Je savais que tu l'as, c'était une vraie. Vous êtes bien sur la chaîne de Dave et Rafe. Dave et Raph. Appelez-nous Dave et Raph. Dave et Rafe. Attends, viens. Vida, on sort et on les laisse gérer pour voir. Faites-moi une belle intro, là. On est au chômage technique. Bonsoir. Eh, vous êtes un peu les McFly et Carlito féminins, quoi, on peut le dire. Qui serait McFly et qui Carlito? McFly. Elle a pas du tout envie d'être moi, regarde. Il y a deux McFly. Regarde, c'est terrible. Ah, après, quoi que le t-shirt avec les ongles. Mmh. Oh là là, oh là, là. Et changer de t-shirt. Tu veux que je te lâche les ongles? Ah, grave. Ça, tu veux me lâcher un ongle? Ouais, de ouf. Là. Vas-y, viens, on fait ça plus tard. Bon, personne. Franchement, je devrais te prêter mes colis un peu, ça irait grave bien avec, avec ta montre parce que. Bah écoute. Aïe, la violence. Ça change d'un coup, tout, c'est incroyable. C'est non, mais les gars, ça devient un mec bling bling et tout, ça change tout. Tu veux que je lui en mette une autre? Qu'est-ce qu'il y a? C'est mon procès, c'est quoi? Ah, mais moi, je préfère comme ça, ça donne une tout. Tu veux que je lui en mette un autre? Oui, et moi aussi je veux bien. Bienvenue dans la vidéo où Louane me met des colliers. Et t'as une grosse. Oh, laisse-le comme ça, laisse-le comme ça. Laisse-le comme ça. Ça va? Qu'est-ce qu'on en pense? Pas ouf. Mais je le garde. Ça fait un peu. Comment il s'appelle le mec dans Stargate SG1? Et il y a un mec qui avait, qui avait le truc là, tu vois? À l'ancienne. C'est quoi les équipes? Moi, je suis Je suis avec Tila. Je vous décris les binômes. Un binôme. Donc on a changé de binôme. Non, mais décris ton binôme. Décris ton binôme, la parole. Mais c'est parce qu'on a changé de binôme, on m'a pas prévenu. Dessine-moi comme une de tes françaises. Aujourd'hui, c'est un concept nouveau que nous allons faire. C'est un blind test d'un nouveau genre. On avait déjà fait des blind tests, notamment le blind test des synonymes qu'on connaît. Extrait. Nanana, joli bye bye, joli. Également le blind test des dessins animés. Elle a où là, moi, Speedy Gonzales. Et on peut dire que ça fait partie d'une saga de blind test. En gros, celui-là, c'est avec un des plus grands groupes de beatbox du monde. J'ai pas peur de le dire. Je vous les présenterai après. Ils vont venir ici nous faire donc des chansons retravaillées en beatbox, mais c'est pas du petit beatbox du genre tout qui Oh d'ailleurs, il est temps de faire ça. On a appris quelque chose par l'intermédiaire de notre ami et ingénieur du son, un autre que Martin, qui s'appelle Florent Simon. La base pour apprendre le beatbox. Tout part d'une phrase. Regardez, je vais me mettre où. Prenez la phrase, pose ta capuche. T'as qu'à poser ta capuche. Et vous insistez uniquement sur les consonnes. Sache que je l'apprends à mes enfants qui ont genre 3 et 5 ans, et ils le font. En fait, même si tu sais pas bien faire, tu essayes de faire juste dire en rythme, pose ta capuche, t'as qu'à poser ta capuche, et ça te donne un vrai rythme de beatbox. Ça te met, ça t'apprend. Non, franchement, ça va. Essaye. Mais si, essaye. Hé, Louane, Louane, chante là, vas-y, vas-y. Je ne t'ai pas abandonné, rien ne m'arrêtera jamais. Je suis à fond, je n'ai pas peur, je serai. Quel bonheur. C'était pour vos enfants. Ah ouais, c'est le bon. Ils vont adorer quand ils vont regarder ça. Vida, pour ce concept, est-ce qu'on a un petit gage pour rajouter un peu de la sauce Sriracha en fin de vidéo? Absolument. L'équipe perdante donnera son téléphone à l'équipe gagnante qui scrollera dans votre pellicule. Oui, j'ai raté. Scrollera. Dans la pellicule pour diffuser une photo de leur choix sur l'Instagram des perdants. Évidemment, vous connaissez le principe, vous jouez chez vous pour gagner aujourd'hui une bretelle d'autoroute. Ce concept n'aurait pas été... Je crois que c'était la 6. Mais par contre, je suis assez jaloux. Vos mères. Ce concept n'aurait pas été... Tu peux avoir une bretelle d'autoroute, moi? Ce concept n'aurait... Vos mères. Ce concept ne pourrait pas exister sans la présence du groupe. C'est terrible. C'est terrible qu'elles font. Mais moi, je m'arrête pas. Vous pouvez me couper la parole. Je suis un buffle qui retourne la terre pour une nouvelle plantation. Voilà ce que je suis, image de ce buffle, c'est moi. Des problèmes dans ma plantation. Pourquoi ça pousse pas? Nous accueillons, s'il vous plaît, sous les tonnerres d'applaudissements, le groupe international Very Wap. Ça, c'est le sang. Le sang de la même Covid, Covid. Comment allez-vous, les garçons? J'adore ce que vous faites, j'adore ce que vous faites. Merci beaucoup. Merci, Tila. Si vous ne les connaissez pas, vous ratez un truc extraordinaire. Suivez-les, évidemment, sur Instagram. Allez les voir en concert quand ça reviendra. Extrait. Pose ta capuche, très bonne ref. T'as vu, ça fonctionne, hein? Est-ce qu'il y en a d'autres, des petits tricks comme ça? Il y a un petit cassé, le beat de Billie Jean. C'est ça. Après, t'as petite biscotte aussi. Non, tu... Biscotte.
Mais non. J'adore. Scratch, kiwi. Kiwi, kiwi. Ah, ouais, pas mal. Que je maîtriserais bien, si vous voulez. Vas-y. Ah. Oh, il a failli m'assurer dessus. Il y a aussi, j'ai le syndrome de l'imposteur et je me sens souvent très mal le soir quand je me regarde dans le miroir. Non, non, c'est... Ah non, c'est pas... Non, c'est pas... C'est une petite... C'est syndrome... Non, non, c'est un truc perso, pardon. Non, ouais, vous auriez pas, par hasard, un titre qui sort bientôt? C'est un moment promo. On sort notre premier album très bientôt. Et notre premier single est sorti, il s'appelle Give It Up, allez voir sur les plateformes, c'est disponible, c'est gratuit. Et Give It Up, ça fait comme ça. C'est incroyable. Hyper stylé, mais c'est quand même un gros plagiat de notre titre à nous. Ah oui. Qui s'appelle Qui s'appelle Je pensais que c'était des cerises, mais en fait non, c'était mon frère. Je pensais que c'était des cerises, mais en fait c'était mon frère. Alors, on vous a concocté un petit blind test, mais un peu différent de un blind test traditionnel, déjà parce que c'est fait en beatbox par nos soins et notre talent. C'est vrai ça. Ça c'est vrai. Et aussi parce qu'on va rentrer étape par étape pour un petit peu complexifier la chose. C'est vrai qu'on s'est inspiré d'un truc que vous faites déjà sur Insta et sur TikTok. C'est-à-dire que vous faites plusieurs couches, comme vous avez plusieurs voix, il y a la couche drum, bass, lead et tout ça, et vous allez faire un par un les couches, et ensuite on peut intervenir quand on veut, et à la fin on aura la totale ensemble. Qui fait quoi? Est-ce qu'il y a des rôles qui ne bougent pas? Tout le monde peut tout faire, après chacun... On fait tout en beatbox depuis tout à l'heure. Je trouve que vous attendiez frères et sœurs, et frères et sœurs, du coup c'est... Mais je te dis, il se passe un truc. Elle a pas du tout envie d'être sœur de WAM. Si, moi ça me va. Je rappelle au monde qu'on m'a appelé en me disant « Hé, tu veux qui comme coéquipière ?» C'est vrai que du coup, on t'a pas... C'est vrai que je te l'ai enlevé. Vous voulez être ensemble à nouveau? Franchement, ouais. Et ben, moi, ça je suis y est. Chaud aussi. Louane et Chila sont ensemble et je suis avec David. Désolé. C'est parti pour la chanson numéro 1. Martin Garrix, Animals. Yeah, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Attention au montage, un rectangle de seum qui les entoure. Non, oh, mais c'est terrible. C'est pas si grave. Merci. Bon là, en même temps, on va gagner, t'auras le seum, mais si à un moment tu peux me gratter le crâne avec tes ongles. Franchement, je suis pas sûre. Le dos. C'est horrible. Ah bah tiens, si tu perds, tu nous grattes. Ah oh, ouais. Tiens, en plus du gage Insta. Mais qui a décidé de ça, en fait? Bah là, on vient de le décider. Ouais, si je gagne, qu'est-ce que vous m'offrez? Qu'est-ce qu'on m'offre? Lamborghini et du beurre de micelle. Il a vu ça. Tu sais qu'on est dans... Oh, mais ça, ça me rend fou, la petite fin. La petite fin me rend fou. Refais des fins. Beurre de micelle. Et ça, c'est quel niveau après pose ta capuche? Regardez, je l'ai aussi, regardez, je l'ai aussi. Attendez, mais est-ce que vous pouvez improviser, si même si je fais un son ridicule, rendre ça stylé? Exemple. Attends, j'en ai un autre. J'ai acheté du beurre de micelle, oh. 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 Est-ce que je peux raconter l'histoire aussi de quelqu'un? C'est l'histoire du petit Thomas qui adore manger des chaussettes. Tout le monde le regarde à la cantine. Ils lui disent mais ça va pas la tête. Mange des protéines, des oligo-éléments. Ne mange pas des chaussettes, mon grand. Mange des protéines, des oligo-éléments. Ne mange pas des chaussettes, mon grand. Génial. 1-0 en tout cas. Michael Jackson, they don't really care about us. On a tellement la compétition. C'est comme ce mec, ça me rappelle ce mec qui a question pour un champion. Nairobi. Ah oui. Moi, tu sais, à la base, je voulais être dans ton équipe, hein. Pas du tout. Tu mens. tu mens. Moi, j'allais rester avec lui jusqu'à ce que tu dises « En vrai, ouais, je veux bien changer. » Remettez au montage l'image où Chila a appris qu'elle serait dans mon équipe. Et regardez bien son enthousiasme. Au pire, je propose de vous chanter avec nous le... Moi, je suis chaud de fou, j'adore. Mais je suis tout de suite. Et c'est quoi, la tona? C'est incroyable. C'est quoi le refrain? All I wanna say that they
de gras. Vous pouvez faire un truc stylé là-dessus? Il est en train d'essuyer des carreaux là. Il le lave, il s'est essuie glace. Oh là là. Putain, je connais ce son. Je connais ce son. Moi, je connais pas ce son. C'est pas ça, c'est pas loin. Downtown break it down. Attends, j'essaie donc. Le titre c'est Belsa's Breakdown, qui est un grand quartier de Marseille. C'est, et c'est un rappeur qui d'ailleurs, on a plus trop de news depuis très quelques dur, années. Non, très mais... Bien sûr, mais non. Booga. Ah oui. Booga. Oh bien sûr, Booga. J'ai peur du regard. Booga, Belsa's Breakdown. Je sais, moi j'ai. C'est bon. C'est Billy Eilish. Oui. Bad guy. J'en ai un. Il y a quoi maintenant? Il y a quoi maintenant? Bad guy du mais les cailloux, mais c'est incroyable, c'est bête. Bien joué les filles pour votre premier point. Je connais ce son. C'est Noir Désir. Ah, non. Allez, viens là. Louis Attaque. Je ne me suis jamais senti aussi victimisé sur ma propre chaîne. C'est Gaëtan Roussel, il y a autre chose maintenant. Mais oui, c'est ça. Tu connais? Allez bien, je t'emmène au vent. Elle le fait en édit, puis hop. Allez bien. Cette chanson, quand elle passe en soirée, à chaque fois, ça fait son effet. Ça fait toujours mais son petit truc. Mais qui passe ça en soirée? T'inquiète. Eh, on va pas en même soirée. Je connais ça. Pas moi. Si, si, si. Bah vas-y, dis. Je l'ai. C'est Skepta. Non, c'est pas Skepta, c'est... Putain, je... C'est tellement stylé, c'est... Alors c'est pas Skepta, c'est son pote. Migos. Non, mais pas du tout. Le titre, c'est quoi le titre? On vous l'a refait, et dans les paroles, il y a le titre. Normalement. Whoopty. Elle l'a dit avant, déjà. Je vous dis... Christophe, Jonathan? CG. Bien joué. Putain, je connais pas. Alors je connais la chanson et elle est trop stylée. Mais j'avoue que j'avais pas l'artiste et le titre. Si on dit qu'on connaît le son, ça marche, non? Non. Eh, en vrai, j'ai dit CG, on a le point après. Ouais. C'est bon, je connais le son. Bah oui. Ah ok. Comment? Whoopty, putain, ma sauce movie. Et oui, c'est Whoopty de CG. Assois ma dick and blue cheese. I gotta stick to this paper like blue sweet. Putain, ma sauce movie. J'ai envie de connaître cette chanson du coup. J'ai envie d'écouter. Je crois qu'il y a égalité. 4-3. La prochaine, ça rigole pas. Non, on est à 3. T'es une rageuse de points, j'ai vu. Mais je suis une rageuse de manière tout. Générale. De tout. ACDC! Thunderstruck! Pardon les filles, non mais là c'est notre berceau. Tu vous l'avez pas très Thunderstruck de la série? Ah, voilà ce que vous voulez voir. Voilà ce que la communauté va apprécier. Félicitations. Non, franchement, il y a encore plus de seum dans son bravo. C'est le bravo le plus. Son bravo me menace. J'ai mal ici là, tu sais. Alors, c'est hyper dur à faire à la. On peut pas vers toutes les notes. Non, c'est hyper dur.
Parce que oui, c'est... Incroyable. Incroyable, cette gratte, elle est folle. Elle est géniale. C'est Thunderstruck de AC/DC, un des titres les plus cultes en concert. D'un groupe culte. Quand tu regardes les DVD de concert, c'est un truc de ouf, le public qui gueule. Dans un live culte AC/DC où on était dans le public, rappelle-toi. Ah, ouais. Je vous aime. Gardez mes enfants. Oh, pour des enfants, c'est génial. Vous faites des événements privés? Non, les enfants adorent forcément le beatbox parce qu'ils font des bruits toute la journée, tout ça. Donc. Sache que comme Raph, j'invente des histoires quasiment tous les soirs à mes enfants. Et genre, il y a une semaine, je leur ai raconté l'histoire de Petit Cucu qui apprend le beatbox. Oh, wow. Petit Cucu, c'est un personnage qui est une paire de fesses. Et qui trop mimes. Je sais pas pourquoi, ils adorent, ça les fait rire de ouf. Et à chaque fois, il doit persévérer pour apprendre des trucs, le skate, le roller, faire la cuisine et tout. Et il apprenait le beatbox. Vous connaissez Verbalize? Oui. Pas mal, non? Très, très fort. Extrait. Tu peux me donner un petit orgasme, vite fait? Rachida, j'ai pas le titre, j'aurais jamais le titre. Rachida, attends. La Yaoui. La Yaoui. La Lara, la Yaoui. J'ai plus le titre. Yaoui. Ya Lara. Lara Ya. Yal. Malheureusement. Ya. Ya. Yaraya. Ya Yaraya. Oui. Ya. On peut pas prendre ce point. Mais par contre, Rachida, jolie. Cette chanson, elle est géniale. Non, elle est bien jouée. Toi, tu sais que t'es le genre de personne qui dit je l'ai très tôt. Dans les blind tests, t'inquiète, ça m'énerve pas ce genre de personne. On peut pas avoir le point de la. On peut leur donner un demi-point. Un demi-point. C'est fair play de votre part. Merci. 4 et demi. Non, parce que vraiment. Si je fais cette tête, c'est que j'ai envie de jouir. Non, mais arrête, c'est bizarre. Attends, je vais jouir juste en regardant la cam. Mais par contre, je l'ai encore réécouté sur le trajet. Et il est charmé ton album. Oh merci, c'est gentil. C'est vrai qu'il est charmé. C'est une tuerie. Peut-être que je vais me sauver, que je vais me quitter. Peut-être que j'en dis trop ou pas assez. Et même la prod, le son. Eh, vous savez quoi? Ça veut dire que tout le monde ici a un album dans les bacs bientôt. Vous allez sortir un album incessamment sous peu. Chut, t'inquiète. Allez. Moi aussi. Je l'ai, j'ai tout malheureusement. Attends. Illusion. Oh là là. Le titre. Oh là là. Excusez-moi, mais ça donne envie. Illusion ou titre, non? C'est pas l'artiste. Mais on a pas l'artiste. Pour trouver l'artiste, il faut faire preuve d'imagination. Oh waouh, David, bravo. Oui. C'est Illusion de Imagination. Ouais, c'est pour ça. Ah, ça fait un demi-point, donc ça fait que un point en tout. Ah, j'ai envie d'improviser. Je débarque dans mon quartier, je suis pas à l'aise. J'appelle mes potes, personne me répond. C'est peut-être. Oh là, c'était bien. Ah, j'étais chaud. C'est la voix du personnel. Non, mais grave. Je suis pas à l'aise. Oh, je l'ai tout de suite. C'est horrible. Je l'ai tout de suite. Bande organisée. Je sais, Jules, bande organisée. Ouais. Jules, t'as dit juste bande organisée. Elle a gagné des ans. Conseil bébé. Oh. Je t'ai laissé, mais la caisse claire direct. Tu l'avais à la caisse claire? Ah ouais? On l'a, t'as dit les deux, on l'a tout. Vous êtes nerveux pas, mais ouais. J'ai juste dit pour d'organiser juste une demi-seconde avant que tu dises pour faire chier. Je voulais te coiffer sur le poteau, mais j'ai pas dit Jules, donc je me suis fait prendre mon propre. Et surtout, t'as pas de peigne. SCH d'ailleurs qui oublie de me big upper sur le Magaté, c'est moi quand même qui lui ai donné ma. Ouais, oui, c'est vrai qu'il les petits tricks. Oublie un petit peu. Quand il a posé en studio, je lui ai dit tu vas dire ça et tout. SCH qu'on adore d'ailleurs. Bien sûr. Ah, oui. On l'adore. Je suis sorti avec lui moi pendant 6 mois. Ah, ça va, ça s'est bien passé bien là. Sûr, ouais, ouais, c'était au Cap Vert. On s'est fait un petit trip hyper spirituel en fait. On a lu toute la Pléiade au vous Cap Vert. On mangeait des poissons cuits dans des pots de bananes. Qu'on allait pêcher nous-mêmes. C'était super. Bien sûr. Je l'ai à chaque fois. Encore, j'ai un petit. Je suis désolée, il faut que je fasse quelque chose. Céline, Marine, Stéphanie, Louise.
Je suis désolée, c'est mes sœurs. C'est pas ça les prénoms des membres de Queen. Là, tu te rends pas compte, tu sais que genre, il va y avoir un gros problème dans ma famille à cause de ce qui s'est passé. Attends, alors peut-être on la refait. Reconstitution de ce qui s'est passé, au ralenti. Queen est number one bastard. Qui peut me donner un petit jouissur? J'y arrive aussi d'ailleurs. Cette technique, c'est la plus dure du beatbox. Ah ouais? Vous avez bien? Non, mais parce que moi je l'ai... Essaye vraiment de le faire sincèrement en vrai. C'est plus ça? C'est exactement ça. Ce moment? Allons-y. Attends, la base de Louane, la base de Louane. C'est le son le plus opposé. Elle appelle le... Oui, 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 c'est ça. Ouvre un peu légèrement. En vrai, j'ai une petite démo de beatbox. Rappelle ce que Sophie nous avait appris. Oh. Ah oui, Razer. Mais gros, c'est très très lourd en vrai. Oh, je l'ai. Non, tais-toi, tu l'as pas, tais-toi. Let's go! C'est ça. Et le titre? Bah c'est l'autre. Au cinéma, qu'est-ce qu'on mange? Attendez, popcorn. Oh là là, Crazy Frog. Attendez, ça c'était Crazy Frog. Ça, c'est ouais. Oui, mais c'est pas son titre phare. C'est pas la plus connue, c'est la deuxième. Mais attendez, moi je croyais que c'était le nom du son, Crazy Frog. Non, c'est This is the Crazy Frog. C'est l'artiste. Non, Crazy Frog, c'est lui qui a repris Beverly Hills. Ah, c'est le nom de l'artiste. Enfin, un artiste. C'est une grenouille dont on voit la teub. Et d'ailleurs, je vous invite à aller voir la vidéo de Seb. Allez voir la vidéo de Seb qui vous raconte il l'histoire explique de la comment c'est créé Crazy Frog. C'est incroyable, on vous mettra en description. Je pense que personne l'a là. Harder, better, stronger, fashion. Pas du tout. Ah non, 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 non. Technologique. On est resté longtemps dessus, quoi. Elle est technologique. À vous, technologique. Eh, je m'en fous, elle a dit Daft Punk, on a le point. Non, bien ouais, je l'ai. Ça, c'est sûr. Non, mais juste les Daft Punk, comme j'avais envie de pleurer quand je suis qui. Non, mais ils se séparent pas, en fait. Ah non, ils se séparent pas. C'était un prank. C'est un gros prank. Ils reviennent là. Comment ça? Ils font de la boulangerie. Non, non, là, ils sont en train de mentir. Ils reprennent l'ascenseur émotionnel. C'est pas la plus belle life. Ils ont tout niqué. Ils sont richissimes, ils ont eu le succès d'estime et tout. Et personne ne les reconnaît quasiment. Ouais. Parce que là, si vous les voyez sans le masque, vous ne les reconnaissez pas. Ah non, non. Ah, c'est donc. Enfin, sans le casque. Bien vu. C'était là où voilà je l'ai emmené. Mes amis, c'est la dernière chanson. C'était la dernière chanson. Le dernier beatbox, le beatbox d'or. 100 points. Elle vaut celle-là. Dès que je vais faire le son avec ma bouche, vous allez trouver direct. Voilà. Bah le fais pas, tiens. On fait que le regarder. Ah bah pourquoi pas. Non. Franchement. Je le mime. Non. Ouais. Je le mime, vas-y. Stromae. Wow. Alors on danse. Oh. Il fallait l'observer, vous l'avez à la caméra de toute manière. Ah oui, 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 oui. Stromae qu'on embrasse, est-ce que vous voulez peut-être la petite histoire? Oui, ça peut être bien. À l'époque où j'étais contrôleur aérien, il était passager dans l'avion, il avait pas son billet. Et je l'ai laissé passer parce que c'était trop mal. Bah bien sûr. Et après on était dans les chiottes, on a baisé. On a une
très bonne anecdote sur ce titre. C'est Snake qui nous l'a raconté, DJ Snake, ouais, c'est un copain. Stromae laissait des CD à DJ Snake pendant des années, et puis il écoutait, il disait ouais, ouais, c'est cool, c'est cool, c'est cool. Et genre DJ Snake a été le premier au monde à écouter Alors on danse, et il l'a recontacté en lui disant là, t'as un tube, c'est monstrueux, go, 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 fonce, 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 et ça a tonne car après. Mais c'est DJ Snake, un des premiers qui a écouté ce titre avant que ce soit connu. Vraie histoire. Très belle anecdote. Oh, putain, très intéressante. Turn down for what? Vous l'avez d'ailleurs, vous la voulez ça? Ouais. Oh. Alien, quand il y a l'alien qui sort, lui il a deux bouches comme ça. Ah, il y en a une qui fait le grave et une qui. Mais grave, vous devez être archi musclé là, non? Je pense, ouais, on a pense. Vraiment. Il s'est, pour la petite anecdote, il s'est déboîté la mâchoire à force de faire des sommes. Ouais. Parce que le qu'on fait des concerts, c'est une heure et quart de. En fait, c'est lui, ça, c'est le. Ce qui te fait plaisir là. Mais ça, ça me nique la bouche. Qu'est-ce qui te nique la bouche précisément? Merci les gars, c'était tellement stylé. Merci. Allez suivre Berrywam partout, suivez-les dans la rue. Non, suivez Berrywam partout sur tous les réseaux. Nouvel album bientôt, c'est ça? Nouvel album très bientôt. Tila Luan, ça vous a plu? C'était trop bien. Juste elle me regarde genre. Elle peut pas le dire. Ouais, dire putain, oui. Elle peut pas, mais. Elle a perdu. La ouais, rageuse. Elle a perdu, putain. Bon! J'ai peur. Alors, je détiens. Sur la dernière déjà. Le téléphone portatif de Luan. Yeah, alors déjà, je tiens à vous dire que le plus drôle, c'est qu'il y a une photo de Madaron dans son téléphone. C'est ce que je lui ai envoyé sur le groupe, Madaron avec hey, ça. Écoute, tu sais quoi? J'ai fait ma solution. Ok. Parce que j'ai pas trop de photos de dossier. Hein. La dernière était des dossiers. Hein. Ça, là. Ça? Ouais, tu vois, je renifle. Ah ouais, grave, c'est grave dossier. Non, frère, c'est pas dossier, ça. Y a, ça oh, c'est chaud, un peu maquillé, oh là là, un peu c'est cool. Dur, la meuf, elle a un live. T'inquiète, regarde bien. Non, mais regarde bien, va jusqu'au bout, parce que regarde bien. Et c'est quoi ta... C'est quoi... Oh non, il a mis le... Elle est parfaite. Je mets en légende, on est là, t'inquiète. Ah. Avec la lumière rougeâtre. Oh, elle est magnifique. Tu vois un peu? Ah, j'aime bien. Tiens, je te tag sur ma barbe. Ah yeah, bah oui, parce que moi je suis... Je vais aller liker ta photo, Chila. vous pouvez. Ça gâche le feed, il y a marqué. Ouais. Qui a écrit ça? C'est toi qui a écrit ça? Non, c'est quelqu'un. Luan qui fait Violette dans Les Indestructibles, les amis. Je pense que c'est la plus grosse réussite de ma vie. Tu t'es lavé les mains? C'est partagé. Merci. Nous espérons du fond du cœur, de l'organe vital du cœur, que cette vidéo vous a plu, chers amis. N'hésitez pas à souscrire à un abonnement. Et bien si sûr. Vous avez bien regardé la vidéo, commentez. J'ai bien regardé la vidéo, c'était super. Et si vous n'avez pas bien regardé... Super. Non, ouais, oui, c'était très bien. C'était super. Si vous n'avez pas regardé la vidéo, vous dites « J'ai bien regardé la vidéo, c'était super. » Et bien sûr, j'enverrai du beurre de micelle à quiconque dans les commentaires. Je voudrais qu'un humain...